Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle, I think we've seen it all, just make the call. I'll go running over. We don't need no miracle, it's unconditional, just make the call. And I'll be Ici à Catskill, il y a Riverview puis à Hoponose pour faire remater. Riverview, il est 5$ du pied du mât, puis Hoponose est 6$ du pied du mât. Mais je vais vous dire, ça vaut la peine parce que les gars sont super corrects. Vous voyez, j'ai le temps de filmer. Ils sont 3 gars, ils s'occupent de tout. Ils m'ont même aidé à faire des travaux sur mon mât. J'avais du filage affiché. J'avais commencé le fichier, ils l'ont tout fait eux-mêmes, ils m'ont aidé à changer mes drisses de place. Ils m'ont donné le temps que j'avais pour travailler sur le mât, super aidant. J'ai mon corbeau d'acier, mon été avant de mon enrouleur pour mon Genoa, mon first take qui est à changer. La grosse question c'est de si je le changeais ici ou si j'attendais plus loin. De changer ici, ça m'aurait probablement coûté moins cher. Sauf qu'il aurait fallu que je commande. Il peut y avoir un délai de 6 jours avant de recevoir les pièces. Si tu reçois les pièces, t'es chanceux, ça fit. Si ça fit pas, t'attends encore. Fait que j'aurais été pogné ici peut-être 2 semaines, peut-être 3 semaines, je sais pas. Fait que l'été est kinké parce que ma drisse, elle a entortillé alentour. Puis j'ai craqué. Je savais pas que t'étais entorti. Puis ça a kinké le câble. J'ai décidé de le laisser quand même comme ça. Je vais pas monter mon génois. Je vais juste prendre la voile principale si je fais de la voile. Parce qu'on sait jamais s'il y a du vent ou pas. Je vais faire très attention, je ne ferai pas jeter le bateau, je ne ferai pas exprès, mais aussitôt que je vais pouvoir trouver une belle marina équipée, je vais le faire changer à cet endroit-là. Donc pour l'instant, je suis à Hoponose. Les gars sont super aidants, super, c'est écœurant. See how close you are in the other one. Fait qu'à matin, j'ai comme mission de sauver de l'argent. J'ai décidé d'aller chercher du fuel à la station de service du coin, à côté de Catskill. D'après moi, c'est environ 2 000 km. Le fuel, il se vend 3,25 le gallon. Sur le lac, en tout cas la dernière fois que moi je l'ai mis, c'était 4$ le gallon. Sur un 20 gallons, ben, je sauve environ 20$ US. Je vais probablement mettre 3 gallons dans le bateau, puis je vais me traîner un 20 gallons, un 15 gallons dans le bateau, puis je vais vraiment traîner un 20 gallons supplémentaire. Je vais sauver quand même plus que 20$. Ça vaut la peine. Tu vis ça ce qui sent, il y a la souche. C'est juste pour vous montrer à matin que je peux pas sortir de mon quai. Il y a beaucoup trop de courant en arrière, puis il y a beaucoup trop d'arbres qui circulent. Il y a eu une grosse pluie hier, la marée est sortante.
en même temps qu'à le courant de la rivière et de la pluie qui est en train de se vider. C'est quelque chose. Le bateau gîte pendant que je suis au quai. C'est assez impressionnant à voir parce qu'un matin, je me demandais si le bateau coulait juste d'un côté. Puis il y a un courant qui est extrêmement fort, juste en dessous du bateau, qui doit poigner la quille puis il twiste le bateau. Est-ce qu'il est plus vite, la bombe, le chacun? Ouais, mon ami, c'est plus vite. La bombe? Ah, c'est le chacun, ça va plus vite. On descend présentement, on a pris une navigation de 4 heures. Je pense qu'on va arriver environ à Kingston et on va ancrer dans la rivière Hudson, qui devrait être aussi intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de courant aujourd'hui à cause des fortes pluies qu'il y a eu. Mais je pense que c'était le temps qu'on bouge. Je suis arrivé depuis dimanche, on est samedi. Ça passe tellement vite, ça fait une semaine que je suis là. Puis c'était le temps que je parte. On est en train de prendre racine, on continue notre bout de chemin et notre aventure vers New York. On dit qu'il n'y a pas grand-chose à filmer, c'est très tranquille de descendre la Hudson. Il y a un peu de courant, un peu de vague quand les bateaux passent. Il n'y a pas rien d'excitant ici, ben. C'est une petite nave tranquille. Puis là, aujourd'hui, ça fait exactement 3 mois que je suis pas avec ma femme. C'est une drôle de journée. J'ai l'impression de ne pas avancer. J'ai regardé un matin, ce qui est en ligne droite, je suis à 325 km d'elle. Ça fait 2 semaines environ que je suis parti de la marina. Puis je ne vois pas encore le bout de cette aventure-là, de pouvoir la revoir. Je crois qu'il me reste encore, je pense que c'est 1 mois et demi, je pense, le plus vite. Si toutes les choses sont en ligne, là. Ça va nous amener octobre, mi-novembre. Écoute, je pense que le maximum que je vais pouvoir taffer, ça va être vraiment... Ben, je pense que je l'ai déjà atteint. Mais j'aimerais bien sûr qu'on se revoie pour le début décembre. Ce serait merveilleux qu'on se voit cette date-là, l'entour du début décembre, fin novembre. Je vais l'espérer encore. Ben, je continue mon petit bout de chemin. On fonce dans le tas. Puis on va arriver au bout de notre voyage. J'ai très hâte de la revoir. Je le vois, ça doit faire 1 heure que je la regarde, puis j'ai pas passé devant encore en dessous. Ah, pas de bon sens. Je viens d'arriver à Kingston, j'ai mis l'ancre 2 fois. La première fois, je l'ai mis dans environ 15 pieds d'eau. Puis en laissant aller 75 pieds de chain, ben j'étais rendu à 8 pieds d'eau. Puis j'étais bien proche des arbres. C'était dur à voir, là, mais il y a un arbre là, puis il y a un bout d'arbre qui dépasse là. La marée est environ de 4 pieds. Fait que je voulais pas que ça change, trop me swinguer d'un bord. Puis j'étais trop borderline, fait que j'ai relevé l'ancre. C'est touché parce qu'il y a un courant. Fait que le temps que je lève l'ancre, faut que je m'assure que je ne vais pas avoir trop reculé, puis d'avoir le temps d'avancer. L'ancrage semble très bon, ben c'est ça, une ancre, je pense que ça a commencé à forcer, elle venait juste de la déposer l'ancre, puis j'ai eu de la misère à la ressortir. J'espère juste demain matin que l'ancre va ressortir de son trou, parce que ça allait être une glaise, mais du coup tranquillement pas vite, d'après moi, si je la winch tranquillement, elle va finir par sortir, mais ça a l'air de très bon fond, mais ça sera pas de tout repos, ça va être beaucoup de courant,
et de vagues cette nuit. En tout cas, c'est juste pour une nuit, pour continuer notre chemin en cours de route, puis rien qui bat le gratis. Je sais même pas quelle heure qui est. Je vais aller voir à l'heure. Je commence à avoir faim un peu. Je vais peut-être faire un petit sac, un petit snack, une petite collation. Gratitude et Alter Ego sont ancrés aussi, à côté de moi. Alter Ego. Gratitude. On va voir comment ça va se passer. Disons que c'est pas. Si on est ouvert à. Il n'y a pas grand protection ici. Il annonce pas de pluie, d'orage, de vent violent. Faut qu'on devrait être correct. Je viens de lever l'angle de Kingston. Il est 8h. Super bien dormi. Surprenant parce que hier soir, ça m'a pas l'air prometteur. Mais aussitôt que le soleil s'est couché, le monde en bateau a arrêté de circuler à pleine vitesse. Fait que ça a arrêté les vagues. J'ai changé quelques fois de position. Le bateau a bien tenu. Ça n'a pas bougé. C'était merveilleux. À cette heure, on part. Puis je me suis couché très de bonne heure hier. J'ai bien dormi. J'ai manqué un peu de la conversation, du planning. Mais on s'en va environ, il me semble, c'est 40 000 nautiques d'ici pour la prochaine ancrage. On va voir aussi s'il n'y a pas des vents qui se lèvent durant la journée ou s'il n'y a pas de courant trop fort. Puis ça va dépendre, tout ça va dépendre de la vitesse qu'on va pouvoir faire pour se rendre avant la noirceur à notre prochain point d'ancrage. J'ai un minou qui s'échappe, je dois aller l'attacher. Papa! Non, on ne quitte pas la cockpit. Non. Safety zone. S'acclimatent tranquillement. Disons qu'ils n'ont pas le choix de s'acclimater. Ronix, lui, a un petit peu plus de misère. Mais Ronix, il a tout le temps eu plus de misère et un peu plus à tout. C'est le special child. Oui, c'est notre special child. Hey! T'es un bec à maman? On est rendu à Hook Mountain. C'est vraiment beau, il y a un sentier pédestre au côté. L'ancrage semble bien tienne, ce qui est important pour bien dormir. Et moi, je suis là, Alter Ego et Gratitude. Demain, direction New York. Puis il ne reste vraiment pas beaucoup à faire. D'après moi, il y a 4 heures, 5 heures gros max. Puis on est rendu à New York. Puis après ça, New York, là, un petit peu plus loin. C'est la grande traversée en mer, 20-22 heures, puis après ça, on en rentre en dedans. Fait que ça va être ma première traversée en mer. J'ai bien hâte quand même de la faire, mais j'ai un petit peu de préparation, par exemple, avant de faire ça. Certaines choses que je vais m'assurer que c'est bien préparé, des choses fonctionnelles, comme le VHF, que l'antenne est en haut du mât. Là, je prends le VHF portable, je vais avoir mon VHF branché. Je vais juste brancher l'antenne, là, mettre les terminaux dessus, puis mettre du courant dans le panneau, le nav station d'alimentation, le panneau électrique, d'y en mettre. Donc là, il est rendu 4h30. Je ne sais pas si le monde va aller explorer en déni, je ne sais pas, ça a l'air quand même beau. Les montagnes, tout. Moi, je vais ajuster ma courroie de ma pompe à eau et je vais détacher les chats, que ceux qui ont hâte aussi que le moteur s'est arrêté de fonctionner.
Ça, je suis sûr. Ils ont une grosse journée. Ok. Je pense qu'il y a hâte d'aller manger et d'aller se reposer.